Et yo tout le monde, et aujourd'hui, explicatif, petite vidéo, information. Donc, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'excuser de la durée de vidéo, elle n'est pas très longue, mais c'est vraiment juste des informations. Alors, première petite information, j'ai changé mon outro, voilà. Donc, la musique, c'est plus la même qu'avant, je l'ai changée. Je trouve que la musique, elle va mieux avec ma chaîne, elle est vraiment cool, vous verrez à la fin de la vidéo. Ensuite, deuxième chose, alors je vais vous laisser réfléchir, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, je vous laisse réfléchir 5 secondes, c'est parti. Bon, je vous ai laissé réfléchir plutôt 10 secondes, mais est-ce que vous avez remarqué? Non? Oui, non, oui? Ça, c'est quoi ça? Mods, ça veut dire quoi ça? Je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr. Forge. Et ouais, vous avez compris, vous avez compris. Ouais, je crois que vous avez compris, hein. Donc, j'ai réussi. Vraiment, je suis trop fier. C'est un truc de malade. Je suis trop fier de moi. J'ai réussi à mettre, déjà, premièrement, j'ai réussi à mettre Better FPS sur Forge. Deuxièmement, j'ai réussi à mettre un mod folder sur Forge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Regardez. On va aller dans un mod. Hop. Donc, Better FPS, je vais vous le prouver. Voilà. Et le mode folder. Voilà. On va déjà observer le mode folder. Voilà. Donc, le mode folder, bah, le voici. Donc, il est assez cool. Donc, c'est le mode folder IDB, pour ceux qui se demandent. Enfin, c'est celui de Lib, quoi. Pour aller le télécharger sur YouTube. Voilà, j'ai pas mal de performances, comme on peut le voir. 109 FPS, tranquillement. Voilà. J'aurais peut-être quelques réglages à régler, mais là, ça va, je tourne plutôt bien. Je suis en rec, hein. Je rappelle que je suis quand même en rec. Là, ça va, je tourne quand même bien. Là, honnêtement, je tourne quand même bien. Là, je tourne vachement bien, quand même. Ça va. Donc, on voit mes CPS en haut à gauche. On voit les effets en bas à gauche. Ensuite, en bas à droite, vous voyez l'armure. Et si jamais j'ai un bloc en main ou une épée, on va prendre une épée, c'est plus stylé. Voilà. Si jamais j'ai une épée en main, vous voyez, ça l'affiche en bas à droite. On le voit très clairement. Ensuite, en haut à droite, bah, vous avez les coordonnées. Et en haut à droite également, on va dire en haut à droite, vous avez évidemment les fameux FPS. Voilà. En bleu, de couleur bleue. Tout simplement. Et voilà le mode folder. Ensuite, j'ai Better FPS. Voilà. Donc ça, c'est super bien. Parce que ça me permet de gagner énormément d'FPS. Environ, j'ai gagné environ... Je vais pas vous le cacher. J'ai gagné environ 40 FPS. Voilà. Donc c'est énorme. Vous voyez que là, je tourne quand même bien. Je suis en rec. Je tourne quand même pas mal. Je suis quand même à 136 FPS. Je suis en rec. Voilà. Voilà. Comme on vient de le voir, c'est bien. C'est un exemple, j'allais vous le dire. Comme on vient de le voir, j'ai une petite chute à 86. Mais forcément, pour ceux qui veulent savoir, mon PC, c'est vraiment un petit PC. Je l'ai dit plusieurs fois, mais mon PC, c'est un Intel Core i3. Et ma carte graphique, elle va s'afficher, c'est une Intel HD Graphique 5500. Voilà. Ça, c'est ma carte graphique. Et ensuite, j'ai un Intel Core i3 en processeur. Voilà, pour ceux qui veulent savoir la config que j'ai. C'est pas un PC de malade, hein. C'est très loin d'être un PC de malade. Mais, ça fait l'affaire. Vous voyez que ça passe. On peut remercier également Better FPS. Sans ce mode, je serais pas en train de rec en HD 30 FPS. Puisque, il faut savoir que moi je fais du 720p 30 FPS. Et grâce, évidemment, bah, au célèbre mode Optifine, deux modes qui me permettent de gagner des FPS. Et du coup, et bah, ça suffit. Voilà, mon PC fait tourner Minecraft en 720p 30 FPS. Assez facilement, vous voyez que là je suis quand même à 112 FPS, 119. Là, vous voyez, encore une petite chute à 86, mais ça remonte, voilà, et ça rechute, et ça remonte, ça fait que ça. Bref, bah ça c'était pour les deux trois choses en plus. Donc la deuxième chose c'était le mode folder, la troisième chose, Better FPS, enfin plutôt la quatrième chose parce que je vous ai dit l'outro au début. Et ensuite, la cinquième et dernière chose, c'est pour ça que cette vidéo sera assez courte. Alors on va le faire en live tout de suite. Voilà, la cinquième et dernière chose, ça va être ceci. On va le faire en live, hop, capture d'écran. Tic tic tic. On va éteindre Minecraft parce que j'aurai plus besoin de Minecraft. Tac. Et hop là. Et aussi parce que mon ordi, il faut savoir que mon ordi, c'est un ordi qui a un seul cœur. Voilà. Donc si je fais tourner Minecraft, je risque d'avoir des pertes d'image au niveau de mon processeur. Donc là, on va faire ça directement, hein. Hop. On va ouvrir Internet.
Vous inquiétez pas, ça va s'ouvrir. Ça prend un peu de temps, c'est normal. Parce que déjà, premièrement, je suis en rec, et comme je vous l'ai dit, mon PC, il n'a qu'un seul cœur. Voilà. Hop. Hop, YouTube. Alors, on va taper YouTube tout de suite. Par contre, la connexion, là, la connexion n'est pas affectée. Non. Il faut savoir, quand vous faites une vidéo, ça doit prendre quoi, 1% de votre connexion. Sérieusement, ça prend rien du tout en connexion. Et du coup, cinquième et dernière chose. La voici, la voilà. Par contre, ouais, ma chaîne, ça prend un peu plus de temps. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc cinquième et dernière chose, ma bannière, voilà, que vous avez vu évidemment, hein. Je vous l'ai pas dit, mais bon. Voilà, ça c'est ma bannière en grand, ça c'est toute ma bannière. Ça c'est ma bannière sur YouTube, tout simplement. Mon logo, S0 comme bah, Sweeter 0. Et également, j'ai ouvert un serveur Discord pour qu'aux 1000 abonnés, je fasse des private games avec vous. Voilà, donc aux 1000 abonnés, il y aura des private games. Alors il faut savoir qu'il y aura, ce sera pas tout le temps des private games. Puisque, comme vous le savez peut-être, je prends pas tout le temps le Grad Subscriber. Je le prends que quelques fois. Donc ce sera pas tout le temps. Hein. Ce sera pas tout le temps, ce sera pas non plus sur commande, on va dire. Donc mon serveur Discord, il est ici. Vous pouvez aller discuter tranquillement. Il y a des salons vocaux de discussion. Et vous pouvez aller discuter tranquillement. Voilà. Donc voilà, donc c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire comme nouveauté. Donc ma bannière, elle est assez stylée. Hein. By Spyman aussi, voilà, et j'oublie pas. Donc Spyman, c'est un ami IRL à moi, et je te remercie énormément de m'avoir fait cette bannière. Il m'a dit, bah c'est quoi, hop, je te fais une bannière, oh bah je te fais un logo aussi, nickel. Apparemment, alors apparemment, je sais pas s'il va le faire. Ça, je n'en ai pas la certitude, mais apparemment, il va me faire une intro aussi. Où mon personnage, il tiendrait l'épée que vous voyez là, l'épée là. Je sais plus comment il s'appelle. Mais My News, un truc comme ça là. Me News, mais il a changé de nom. Et bah lui, il faisait des intros comme ça. Et bah il va me faire une intro comme ça en fait, mon pote Spyman. Il va mettre mon personnage qui bouge, qui arrive sur un adversaire, qui le. Je sais pas, il va peut-être le décapiter la tête ou un truc comme ça. Et ça va. Il y aura une musique et tout, il y aura mon nom et ça va être trop stylé. Apparemment, je sais pas s'il va le faire. Apparemment. Je sais pas du tout s'il va le faire. Je peux pas vous le certifier, mais apparemment, il va peut-être en faire. Il va peut-être faire une intro comme ça. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo informative, hein, tout simplement. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, moi, je vais vous envoyer la nouvelle intro avec la nouvelle musique. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, comme d'habitude, à vous abonner, comme d'habitude. Et évidemment, à lâcher un like. Eh ben non, je l'ai déjà dit. Non, lâchez un commentaire. Un pouce bleu. Ouais, non, on va arrêter. Non, sérieusement. N'hésitez pas à partager la vidéo, parce que je ne l'ai pas dit. Eh ben oui. À activer la cloche des notifications. Eh ben oui, je ne l'ai pas dit. Et à vous abonner. Eh ben si, je l'ai dit. Allez, moi je vais vous envoyer l'intro. Allez, c'était 6h0. Ciao!